Les vapoteuses, les non-vapoteuses, les fumeurs et les non-fumeurs, enfin bref, tout le monde, tous ceux qui viennent sur ma chaîne pour me dire un petit bonjour, je vous remercie d'avance. Alors aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres, c'est un jour. N'importe quoi, vous, c'est pas un jour comme. Je vais pas la refaire la vidéo parce que je dis des conneries. Allez, on s'en fout. Allez, aujourd'hui, c'est un jour comme les autres, puisque c'est un jour où je vais parler d'un jus qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur, oui, qui me tient à cœur, oui, qui me tient à cœur. Non, tu me dis, pourquoi tu vas la liaison qui me tient à cœur. Le MD Pampan. Ah, le MD Pampan. Il est dans l'ordre. Il est dans. Ouais. MD Pampan. Voilà, on fait le tour. L'hélium va. Eh ouais, c'est génial en plus. Merde, il y a un slash derrière. En plus, on peut défaire une étiquette pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, faut voir ce qu'il y a dedans. Je vous raconte pas. Faut pas être miro, quoi. C'est écrit tout petit. Enfin, ceci dit, c'est la TPD qui a voulu ça. Donc voilà. Donc c'est un jus de MD Pampan qui a fait fabriquer ce jus. Je suppose que c'est lui qui a choisi ce qu'il voulait dedans et tout, ça m'étonnerait pas. Donc je dédie ça à surtout aux primo vapoteurs, c'est-à-dire ceux qui vont commencer la vape. Et puis aux non primo vapoteurs. Pour ma part, il est en 3 mg. Bon, c'est une fiole TPD ready, impeccable, comme on dit. Donc elle est vraiment bien, bien, bien. Bouchon sécurité enfant. On pousse, on tire une pipette de 30 mètres de long, de 3 mm. Voilà, donc c'est fait exprès. 3 mm de, même plus que ça, de diamètre, je pense. Enfin bref, ils expliquent. Alors ils disent quoi dessus? Tout, 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 tout. Ouais, il y a une pipette. Un bon diamètre de 3 mm. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est pas souvent qu'on le met ça. Bon descriptif. Donc c'est un 50-50 VGPG. Et c'est quoi? C'est un tabac blond vanillé à la noisette ou à l'amande. On va voir ça. Donc ce jus vient directement du magasin de MD Pampan. Et oui, parce que c'est Vape de Calou que vous connaissez qui m'a offert un cadeau dernière fois. La dernière fois, là, il y a quelques jours de ça, il m'a envoyé un jus. Et vous vous rappelez? Il m'a offert ça aussi. Ah, il m'a offert un bon dripper. Donc voilà, je me suis dit de toute façon, il fallait que je passe ça en revue. Bah oui, parce que j'y avais dit, il faut que je me prenne le MD Pampan. Et puis bah, voilà, il a sauté sur l'occasion. Hein. Donc, 50-50, VGPG, Primo Vapoteur, pour arrêter de fumer, ça c'est l'idéal. Celui-là ou d'autres, hein, qu'importe. Hein, mais celui-là entre autres. Petit goût de tabac et tout, je vous dis ça tout de suite. Allez, c'est parti. Là, je suis à 250 watts à peu près. Sérieux. Allez, je vais mettre. Pas monter. Non, mais je monte là, t'es con quoi. Là, je mets 49. 40. Ouais. 49 watts. Bon, on va descendre un petit peu. 48 watts. Je mens pas. Hein. Voilà, 48 watts. C'est un peu beaucoup, je l'admets. Je vous dirai après pourquoi. Alors déjà, je vous dis tout de suite, ce qu'on sent, c'est la noisette. C'est. Ça pète tout de suite noisette. Ou l'amande, je ne sais pas. Mais surtout en vapant. Enfin, je vais vous le dire. Allez, arrête de causer, vape, merde. Bonne production de vapeur, 3 mg de nicotine. Alors, déjà pour dire la chose, le coil qu'il y a dessus, c'est un single coil qui m'a été mis par mon poteau, donc j'ai laissé dessus en souvenir, je vais le garder à peu près un an dedans, hein, sans le laver ni rien. Donc après je vais le transformer, je vais mettre plutôt du Cantal, là c'est un. Je sais plus ce que c'est un coil super avancé là. Donc c'est gentil, mais c'est un truc où tu peux vaper beaucoup plus fort. Donc c'est bien. Mais voilà, ça sera pour moi une petite préférence pour du nichrome 0,40 en double coil, 0,35 ohm. Et d'ailleurs là, je suis à 0,024. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sent? Bah, au démarrage, personnellement, je sens
la noisette, c'est la première chose, aussi bien que quand on sent la noisette, aussi bien quand on l'inhale, on sent la noisette. On sent la vanille, ça c'est super bon, noisette, vanille. Et le goût tabac qui arrive derrière, mais je dirais pas un tabac, je dirais blond, mais je sais pas si c'est la noisette qui fait qu'on dirait que c'est un mixte blond-brun. Voilà, c'est la question que je me pose. Donc, pour moi, c'est très agréable. Ouais, je le pousse plus fort, mais ça m'emmerde. Alors, je vais le pousser un petit peu. Voilà, je vais mettre à 60 watts, mais... Même à 60 watts, ça passe. Mais je trouve que c'est un jus qu'il faut vaper à peu près une quarantaine de watts. Et pour ceux qui voudraient même vaper, par exemple, style Subtank ou autre, Nautilus, fait ce qu'ils veulent, 25 watts, 30 watts, c'est fait exprès pour être en... voilà, je trouve qu'en inhalation indirecte, c'est-à-dire bouche-poumon, je trouve que c'est un très bon jus pour ça. Même en inhalation directe. Hein. Donc, Pampan, c'est un très bon jus que tu as fait. Je vais pas te donner de note parce que tu es français, c'est un jus français. Non, allez, sérieux, je vais dire franchement, il est bon. J'en ai goûté des jus français qui sont trop forts en tabac et pas assez en gourmand. Et là, je dirais qu'il est plus gourmand. Mais un petit shoot de tabac peut-être un petit peu plus léger, ça aurait peut-être été bien, mais ça va tellement être difficile d'arriver à mixer de ça dessus. C'est pour ça que je vais en garder. Et je vais en garder et je vais laisser stipper, prendre l'air pour voir si le tabac il ressort un petit peu plus. Ceci dit, je le trouve très bon. Donc j'incite tous ceux qui commencent à vapoter, le MD Pampan qui a été conçu, je pense pratiquement sûr, pour les primo-vapoteurs. Il faut savoir qu'il a un shop vite fait sur Paris, dans le 15e, vous tapez MD Pampan sur Google et vous trouverez son shop. Faites-vous un plaisir d'aller voir. C'est un shop pour les primo-vapoteurs, c'est-à-dire les débutants. Vous attendez pas à avoir des super box trucs et tout et tout. Je dis pas qu'il n'a pas des grosses box lui-même. C'est un ancien foufou de il aime bien envoyer de la vapeur et tout et tout. Mais enfin bon, voilà. Mais à la base, c'est aider les vapoteurs, les débutants dans le vapotage, aider surtout les fumeurs. Et j'insiste beaucoup là-dessus. C'est un combat qu'on mène tous au bout d'un moment quand on sait qu'on est sorti entre guillemets de la cigarette, parce que c'est un combat quand même toujours, quoi qu'on pense, on ne sait jamais. Hein. Donc allez dans son shop, Paris 15e, du côté de Montparnasse, et vous trouverez ce jus, autrement bah, dans d'autres boutiques bien sûr, parce que ça a été dispatché un petit peu partout. Voilà, donc je suis très content. Je suis très content d'avoir reçu ce jus. Merci Pascal Goff. Voilà, qui a une chaîne YouTube. Et merci Pascal MD Pampan d'avoir fait ce jus. Je vous remercie tous les deux, vous êtes des amours. A plus les vapoteuses d'avoir regardé cette revue. Faites tourner si vous avez une playlist comme moi. Moi, j'ai créé une petite playlist pour, ça s'appelle « Comment arrêter de fumer pour les débutants » ou un truc où vous débrouillez à trouver quelque chose. Si quelqu'un tombe dessus, ça ne peut que l'aider. Voilà, enfin ça c'est mon idée perso. Faites ce que vous voulez. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis... A plus et bonne vape et une petite barre pour la fin. Allez, salut, bye.